Ouais, salut les oiseaux, c'est Parano. On se retrouve sur ce deuxième épisode sur l'intégrale de Killzone Shadowfall. Toujours en mode PS4, en mode Walk Machine. Ça y est, je bafouille. Donc, pour la petite info, si vous allez jouer au jeu ou si vous l'avez déjà fait, peut-être que vous avez arrêté quelques petits trucs. Dans le jeu, il y a des petits secrets, on va dire, entre guillemets. Et ici, vous pourrez trouver un comic book. Donc à prendre si vous êtes vraiment quelqu'un qui fait le jeu de A à Z. Je l'ai déjà pris lors de la première vidéo, quoi, lors des vidéos que j'avais tournées avant que ça faille. J'espère que vous allez bien, franchement ça fait encore énormément plaisir de vous retrouver pour ce Killzone. On va essayer de descendre sans trop se casser la gueule. Ok, on va passer par là et puis on va faire la tyrolienne puisqu'il nous oblige à le faire depuis tout à l'heure. Voilà, comme ça il est content. Allez, on va se faire plaisir. Allez, écoutez juste le bruit que fait le sniper, comme je vous le disais dans l'épisode précédent. Ça, c'est du bruit de sniper, les oiseaux. Par contre, vous avez pu vous apercevoir que si vous avez regardé les munitions, j'avais 24 balles. Et en tirant juste une balle, j'en ai perdu 12. Donc si vous faites bien le calcul, vous tirez 2 balles, vous avez plus de munitions en mode sniper. C'est vraiment dommage, parce que j'aurais beaucoup aimé le souder. Après voilà, c'est pas non plus l'intérêt de jouer qu'au sniper. Après, wow, il s'est placardé la tête contre le sol. Donc on va un petit peu parler des intérêts de ces petites capsules qui sont en fait des alarmes qui préviennent les ennemis. Et ben voilà, ça sert pour appeler les renforts. Je savais même pas que si je le pointais, ça allait mettre une légende pour parler directement. Donc d'où l'intérêt de le pirater avec avec Owl. On va se mettre directement comme ça. Je vais regarder s'il n'y a pas des ennemis dans les environs, et s'il y a des ennemis dans les environs, alors on va se cacher un petit peu. Donc il y en a un deuxième là-bas, il va me voir ce gars. Alors on va directement le pirater comme ça, on va être tranquille. On va essayer de le faire un petit peu infiltre, même si c'est pas mon fort, vous me connaissez. Et ben voilà, il m'a grillé direct. Là c'est même pas, il a grillé mon robot. Alors, je tiens à vous prévenir directement, ça fait depuis 2 ans, je joue sur PC, donc les manettes et moi, ça fait deux. Je vais essayer de m'y réhabituer. Je pense que si je me relance dedans, ça va aller. Bon, j'ai piraté le truc, donc ça va. Et remarque, je pense qu'on va changer d'arme. On va prendre celle-ci. Donc, si vous débarquez, vous n'avez pas suivi le premier épisode, cette arme est notre arme principale qu'on ne pourra pas changer tout au long du jeu. Et je préfère prendre une arme secondaire, une mitraillette, histoire d'être un peu plus polyvalent, et vu que ça met pas mal de temps à recharger, on n'est pas sur Call of Duty, on n'a pas passe-passe, et du coup c'est un petit peu dur. La référence, quoi, Call of Duty, bordel. Et on était parti en mode infiltration, bien sûr. Hop là, ennemi spotted. Pulsar, ici un 8. Je suis sur le lieu du crash. Des infos sur l'équipage? 3 victimes. Ouais. Ils ont été fouillés. On dirait qu'ils sont morts dans l'accident. Les autres ne doivent pas être loin. Trouve-les. N'oublie pas. Aucune trace. Détruis le vaisseau. Pulsar terminé. Ok. Moi j'ai déjà scanné l'environ. Te casse pas la tête. Je voulais mettre juste un coup de snipe à lui. Voilà. Et lui va déclencher l'alarme. Donc je vais vite envoyer Hall. Hall, vas-y mon. J'ai lu ou pas? Et bien voilà, comme ça vous verrez ce que ça fait quand il va avoir l'alarme qui se déclenche. Je vais quand même dire à Hall d'enlever l'alarme parce que ça va pas être rigolo s'ils arrivent à. S'ils envoient les renforts de tous les côtés. Oh putain, ça commence direct. Ok. Je vais avoir énormément de mal, je vais pas vous mentir. Ok, je me fais tirer de tous les côtés. Alors, petit bouclier que j'ai posé pour me couvrir de ce côté pendant que je défonce ses ennemis. Si j'arrive à les défoncer, bien sûr. On va voir si on peut pas lui faire une petite prise à lui. Et bien évidemment, j'ai un sniper qui me tire dessus. Pas un sniper, un mec à la mitraillette. Au fusil à pompe. Oh putain, je galère. Bon, ça commence direct. Ouh, ça y est, je suis en transpiration, bordel. Allez, reviens là, Hall. Alors, j'ai fait plein de conneries. Je sais pas si la sensibilité elle a adapté. Putain, ça va être super chaud de jouer à la manette en vrai. Pourtant, je l'avais fait une première fois, c'était passé crème, mais là.
Ça passe plus crème là. Là, c'est un petit peu le why. Oui, d'accord. Tu veux que je regarde les environnements? Alors, on s'était arrêté où? On va aller prendre un petit peu de mun. Je sais pas s'il y a un ennemi. Je me rappelle qu'il y avait peut-être un ennemi en haut là. Je sais pas s'il y est encore. Il y est plus le coquin. Bon, mais tant mieux. On va pouvoir se balader. Bon, ça c'est cool. Ah, si, il y est. What? Attendez, il a disparu. Tu es pas mort? C'est pas grave, ça là. Ouh là là! Papa Parano, qu'est-ce qui t'arrive, ma gueule? Tu arrives plus à viser ou quoi? C'est quoi ce bruit? Je me fais flipper tout seul ou quoi? Ok. Ça y est, on arrive dans la boîte intergalactique. Regardez-moi ces petits effets quoi, hallucinant. Comme je suis un flemmard, j'utilise la tyrolienne de là. C'est le mec, il abuse du robot quoi. On va laisser en mode de assaut. Je suis content de vous voir. Quelle est la situation? La DCA a eu un moteur, on n'a pas pu atteindre l'eau. Vous avez les infos? Voilà. Quoi qu'on fasse pour se tirer d'ici, il faut agir vite. Il y a un vaisseau dans le bunker, on peut l'utiliser. Les canons de DCA installés sur le barrage vont nous réduire en pièces. Attendez. Pulsar, Shadow 1-8. J'ai trouvé les infos et l'équipe. La puissance de feu ennemi menace notre retrait. Je vais les neutraliser. À vous. Reçu 1-8. Ne te loupe pas, c'est tout. Bien reçu, chef. Pulsar terminé. Je vais placer les explosifs. Restez ici et gardez le contact. Je reviens vous chercher. À vos ordres. Je croyais que personne ne viendrait. Ben, je suis venu mourir. Par contre, 2 secondes, je vais juste faire un petit truc parce que j'ai l'air de pas très très. Je suis à combien de sensibilité? 70 pourtant. Je sais pas, c'est chelou. Peut-être c'est trop en fait. Je vais peut-être la descendre d'un cran. Parce que c'était juste un petit peu hallucinant là. Alors on va voir si ça se passe mieux comme ça. On va aussi un petit peu utiliser Hall, hein, parce qu'on l'utilise pas beaucoup. Non, ça va pas du tout. Alors l'intelligence, on va un petit peu parler de l'intelligence artificielle du jeu. Ça dépend, c'est vrai que des fois elle peut être très agressive, comme des fois elle peut être super passive. Alors, je sais pas s'il y a des mecs. Je dirais qu'il n'y a rien à l'horizon. On va poser notre C4 tranquillement. Je sais pas si c'est le fait que je recorde de vouloir bien faire les choses et tout. Bon, il nous explique qu'on peut passer en mode sniper. Ce que j'ai déjà fait tout à l'heure. Dans les chevilles, mon gars. J'adore ce bruit. La vérité, j'adore ce bruit, même si je fail. J'adore faire ce truc. Ok, je vais essayer tout au long du gameplay de pas utiliser toujours les mêmes compétences avec Hall parce que ça, je pense que ça peut être barbant tout le temps de faire la même chose. Donc, 2 objectifs s'offrent à nous. On va prendre celui de droite. Je pense que plus on va jouer au jeu, plus ça va aller. Vous inquiétez pas. On va parler un petit peu de musique. Vu que pour toutes les personnes qui ne le savent pas, je suis compositeur. Hop là. Je suis compositeur avant d'être gamer. Et je voulais parler un petit peu des musiques du jeu. Personnellement, j'ai cru comprendre en fait, parce que moi, un petit peu pas spoil, mais on m'a dit un petit peu comment ça se passait. On allait avoir pas mal de musiques différentes. Et c'est vrai que les premières musiques qui nous sont proposées sont pas non plus très très très. Je sais pas, c'est pas trop ce que j'attendais. Après c'est pas non plus ridicule. Mais je suis pas trop trop fan. Après ça reste mon avis perso hein. Le petit screenshot que j'avais fait sur Twitter il y a pas si longtemps pour vous montrer un petit peu les décors du jeu et de vous dire que le let's play allait commencer, c'était exactement à cet endroit là que je l'avais fait, je me rappelle. C'est toujours aussi magnifique.
Donc on va pas prendre perdre de temps et on va y aller direct. Donc on se retrouve encore, voilà, c'est vrai que le seul point négatif on va dire sur le gameplay pour ma part, c'est le quand il saute, c'est vrai que le perso j'ai l'impression qu'il marque un temps d'arrêt à chaque fois, il saute. Même si vous courez ou faites ce que vous voulez, le perso on dirait qu'à un moment il stoppe dans sa lancée et il s'arrête, il tombe comme une dinde. Donc je trouve ça un petit peu dommage, comparé à Crazy, c'est vrai qu'il fait des bandes de fou. Ou sinon, y a rien à redire, ça bug, je sais pas pourquoi. Alors c'est vrai que on peut être un petit peu perdu vu que la carte est un petit peu proposée d'une différente façon que dans des anciens. Regardez, c'est ce que je vous disais, on dirait qu'il veut s'accrocher à tous les rebords. Affirmatif Pulsar. Affirmatif Pulsar. Il y a trois ou quatre petites choses aussi qui nous sont proposées sur la en bas à droite. Donc vous avez le journal. En bas, si j'appuie, c'est pour le flingue. À gauche, c'est pour le radar. Je vous parle des pads directionnels. Et tout à gauche en fait j'appuie pas dessus parce que ça fait une sorte de bullet time. C'est une chose que vous pouvez faire quand par exemple vous réapparaissez. Alors vous avez une petite particularité, c'est qu'on a une sorte de vie juste à côté des grenades, tout à droite de la TH, de la HUD. Et ces vies en fait, vous pouvez les utiliser, vous avez deux vies, deux adrénalines qui vous, on va dire, qui vous ramène à la vie tout simplement, mais qui vous évite de recommencer un passage. C'est pas mal du tout je trouve. Alors j'ai marqué 2-3 ennemis. Par contre, le jeu se veut, on va dire, infiltration. Quoi, c'est... Je crois qu'il m'a grillé lui, non? Non. Il y a quelques missions qui se valent quand même, qui se veulent un petit peu infiltration, mais il nous propose pas d'armes pour s'infiltrer, donc je trouve ça un petit peu dommage. Là pour le coup là il faut qu'on s'infiltre. J'ai beau essayer de faire quelque chose de bien mais j'y arrive pas. Parce que toujours je me fais soit griller, soit j'essaie de prendre un mec à revers et il tire, soit évidemment j'essaie de tirer moi le premier et je me fais défoncer quoi. Je me fais repérer direct. Donc on va essayer de le faire tranquille. Oh lui il est là. On va essayer de descendre. Et je me suis fait griller. Vous avez vu que... Comment tu veux t'infiltrer? Parce que t'as pas d'arme pour t'infiltrer. Ouais, avant que t'appuies mon gars, je vais pirater l'ordi. Ils sont où? Il est où? Ok, bah comme ça on aura vu un petit peu les explosifs. Pas beaucoup de munitions hein, sur les armes, ça c'est le point qui revient souvent. Pas mal de stocks d'armes nous sont proposés, pas mal de munitions, mais c'est vrai qu'on tombe vite à court de munitions. C'est bien et pas bien, après c'est à vous de juger, moi personnellement ça me gêne pas trop, surtout qu'on trouve quand même pas mal d'armes ennemies sur le jeu. Et ça me gêne pas plus que ça. Donc c'est vrai que le gameplay fait vaguement penser à du Crysis. Regardez encore un stock de munitions, c'est vrai qu'on est servi. On va poser le C4 sur la DCA. Parce que c'est notre mission, ok. Pulsar, ici 1-8. Dernier explosif placé. Reçu. Il y a encore beaucoup de messages ennemis. Neutralise la tour de transmission et rends compte. Bien reçu, Pulsar. Je m'y dirige. 1-8, terminé. Ok, alors de mémoire, je me rappelle qu'il y avait des snipes. Et en plus, il me regarde. Il m'a pas grillé ou quoi? What? Oh putain, il y en a l'autre là-bas. Oh putain, ça fait deux. Et j'arriverai pas à la voir ce chacal. Bizarrement, quand j'avais fait le jeu, je sais même pas si c'était un ennemi lui. Ça, la petite scène quand j'avais fait le jeu la première fois, tout s'était bien passé normalement. Et là, pour le coup, oh, mais t'es sérieux? Fais que disparaître. Ok,
usons un petit peu du Owl. Alors, je crois qu'il a un sniper lui, pour le coup je suis pas trop chaud. Il est où? Trop tôt mon ami. Donc toujours la petite musique, on va dire épique, qui se lance quand il y a une phase de combat. C'est ça arrive très souvent maintenant hein, dans les jeux vidéo, c'est vrai que là j'adore, il y a tout qui s'est arrêté parce que l'arme est chargée à fond. Par contre j'aimerais bien voilà, tirer une balle pour que ça reparte. Mais il est passé où? Allez, on va les paralyser. S'il veut bien. Donc la fameuse phase paralysante. Je crois que je vais mourir. Je vois pas. Nickel. Vous avez vu que c'est quand même assez chaud, hein. C'est pas un truc, tu arrives, tu bourrines et c'est terminé. Faut quand même pas mal jouer. C'est vrai que la première scène c'est un petit peu dur. Après ça passe un petit peu mieux. Quoi, pour ma part, hein. Après je sais pas comment vous avez joué. J'y travaille. J'y travaille. Voilà, j'ai appuyé sur le bullet time, ce que je ne voulais pas faire du tout. C'est pas grave, écoute, maintenant que je l'ai fait, je vais pirater l'ordinateur. Hop, on y va direct. Je vais me remettre. Allez hop. Ok, je t'ai vu mon gars, bouge pas. Ils font des bombes à chaque fois quand vous tirez, c'est juste hallucinant. J'espère juste vite m'y faire à la sensibilité et à la manette. Je vais pas vous mentir, si les jeux sur les next gen qui nous sont proposés sont de la même qualité que ceux Killzone, ou c'est vrai que j'ai vu tourner BF4 aussi sur console, il est vraiment magnifique. Pour le coup je l'ai vu en vidéo, je l'ai pas encore testé, normalement prochainement je vais le recevoir, donc je pourrais vous faire des vidéos dessus, vous en parler un peu plus. Mais c'est vrai que si ces next gen nous proposent vraiment des jeux de bonne qualité, fluide et tout ça, comme nous est proposé ce Killzone et pas mal de jeux encore sur ces consoles, je pense que je vais vraiment m'attarder sur les consoles un peu plus que sur les versions PC. J'attends vraiment au tournant The Witcher 3. Pour moi c'est le jeu que j'attends le plus, on va dire, l'année qui arrive. D'où l'intro, vous savez que je commence. C'est vrai que je suis vraiment fan de The Witcher. Même si je suis pas un grand joueur, je débute un petit peu. On peut prendre l'adrénaline, ramasser l'adrénaline, d'accord. Je débute, mais ça fait vraiment plaisir et je prends vraiment énormément de plaisir à découvrir tous ces jeux et tout ça. Et c'est vrai que pour la petite anecdote, Hazard m'avait fait la première intro par rapport à The Witcher 2, et là à l'occurrence il m'a fait la deuxième intro par rapport à The Witcher 3. Donc petit clin d'œil en passant pour ceux qui ne connaissent pas, et il ne l'a pas repris par rapport à The Avengers, que j'ai pu lire sur sa chaîne, que des personnes croyaient que c'était petit clin d'œil à The Avengers ou je sais pas quoi. C'est plus par rapport à The Witcher. Après peut-être que c'est aussi The Avengers, mais je l'ai pas vu. Ok, donc c'est vrai que cette arme c'est vraiment une dinguerie. Malheureusement voilà, comme je vous ai dit, il n'y a pas énormément de munitions. Et c'est un petit peu chaud. Je vais me prendre ça dans la gueule. Voilà, je vais mourir. Comme ça en début de game. La chancelière Vissari a approuvé la construction de 10 000 nouvelles. Pulsar, ici Invite. Okay. Pareil au départ dans 10 minutes. À vous. Reçu Invite. Reco, vous avez reçu mon message? Je me dirige vers le vaisseau. Merde. Où êtes-vous? Je suis tombé trop loin. Il y avait un truc aussi ici, si je fais pas les trucs à 100% ça va pas le faire. Donc c'est franchement c'est simple, hein, se repérer. C'est vrai qu'au début c'est un petit peu déstabilisant, il n'y a pas de map, il n'y a rien du tout et tout. Mais aussi fait vite, c'est pas non plus un truc de malade, où tu es direct perdu. Je vous ai dit au niveau du pad aussi, c'est super bien fait, voilà, vous pouvez courir, tac, vous changez à tout moment. Pas pourquoi beaucoup de gens marronnent sur des trucs qui n'ont pas lieu, surtout que c'est les débuts des consoles. J'ai vu pas mal de gens crier genre ah oui la console fait du bruit, la console fait ci tout ça. Les anciennes consoles faisaient aussi énormément de bruit, pourtant on s'en plaignait pas. C'est vrai qu'on commence à devenir de plus en plus pointu sur quelques détails. Après voilà, ça reste que des détails encore une fois.
On verra. On verra par la suite. Là pour le moment c'est neuf, donc les gens ils aiment bien parler, critiquer. Alors, qu'est-ce qui se passe, point de contrôle? Ouais. Ok, c'est vrai, il y a une petite altercation avec nos amis. Oh, oh, oh. Pas mal le petit effet là. Oh là là, ça sort. Ah, lui il a pas fait long feu. Ok, bon, on va s'introduire un petit peu dans le complexe. Non. Oulala. Ok. T'es para sur FPS à la manette quoi, à l'ancienne mon gars. Oula. It's a grenade. Oh là là, triple kill mon frère. Voilà, il est en train de faire le boulot. Pour le coup, j'aurais pu lui faire une petite attaque par derrière. Ok, je m'en cagais gros. Alors il y a un petit cooldown bien sûr, bien évidemment. Le robot fait pas non plus, enfin, fait le truc, que ça le fasse bien. Il y a un petit cooldown, on peut pas utiliser le robot comme on veut à n'importe quel moment. Ça serait trop facile. La petite ouverture de porte, je trouve ça assez stylé. Ah, j'étais pas allé ça, ici la première fois. C'est cool. J'ai raté quelque chose? Non, pas du tout. Oh, vite, il me demande d'aller sur le toit, je vais y aller. Avant que mes potes se fassent laminer. Comme des. Oula. Ok. Alors, j'ai oublié de rappeler mon robot. Pas mal cette arme. On va se replier comme nos collègues. Alors, parlons un petit peu du FOV. Grande déception sur le jeu, il n'y a pas de changement de FOV. J'aurais pensé qu'avec les Next Gen, ils auraient pu, vu que ça se rapproche de plus en plus au PC, faire un petit. Oh, putain, je me suis mis juste à un endroit. On va se mettre un petit peu en mode. Mets-moi un bouclier, mon frère. Alors, qu'est-ce qui me pousse? D'accord, un allié me pousse. Et pour le coup, il n'y a pas d'ennemi, donc ça sert à rien ce que j'ai fait. Ça va. Oui, le FOV, j'aurais bien aimé qu'on augmente, même si je pense que déjà de base il est un petit peu augmenté, hein, il est pas non plus à. Oula. On peut pas se mettre à couvert. Je croyais qu'on pouvait le faire. Alors ça dépend peut-être sur des endroits là, non. J'ai l'impression qu'il faut que je diminue encore la sensibilité parce que j'ai l'impression que c'est énorme. On fera après, c'est pas pressé. Je peux m'habituer un petit peu là. Alors j'essaie de les spawn kills. Alors il n'y a pas de tir ami. Sinon j'aurais déjà défoncé mon robot des millions de fois. What? Vas-y moi j'y vais bordel. Je ne pense pas que c'était un accident. Il y a trop de mesures de sécurité.
J'en meurs. On a trouvé ça sur le lecteur auxiliaire du vaisseau Cassandra. Il nous appartient. Département, recherche et développement. Biotechnologie principalement. On a essayé d'établir le contact. En vain. On pense que l'équipage a péri. C'était quoi ces recherches ? Elles devaient nous donner un avantage. Uniquement à titre dissuasif. Bon sang, si l'Elgast l'exploite, on ne pourra pas les stopper. Ce ne sera pas une guerre, mais un génocide. Les infos que tu as récupérées comprenaient une série de messages envoyés depuis le Cassandra. Nous pensons que le cryptage est Elgast. Je pense savoir qui les a envoyés. Le docteur Hilary Massar, chef de projet. On dirait qu'elle veut passer à l'ennemi. Investis le vaisseau, rétablis l'alimentation et dirige-le vers le soleil. Maquille ça en accident. Une équipe d'extraction est prête à te récupérer. Ce n'est pas un hasard si on a pris tant de précautions avec ces travaux, Lucas. Personne ne comprendrait, c'est pourquoi je ne fais appel qu'à toi. On ignore ce qui t'attend à bord. Sois prudent. Pulsar, ici Shadow 1-8. J'ai le vaisseau en visuel. Les systèmes défensifs semblent inactifs. Reçu. Franchis la coque et rends compte à l'intérieur. C-12, en approche de l'ISC Cassandra. Moins de 50 mètres. Shadow Marshall, préparez-vous à la sortie. Allez-y à mon signal. Appareil défraction en place. C-12 pareil au départ. Bonne chance, Marshall. Wow, là on arrive dans une seconde phase de gameplay qui est juste hallucinante. Donc les phases d'un petit peu d'apesanteur, et vous voyez que vous pouvez taper dans tous les objets, ça réagit super bien, regardez le truc, ça va. Franchement ça c'est juste hallucinant. Regardez comme le truc réagit bien, c'est juste incroyable. Bon après c'est pas non plus une prouesse technique, hein, mais je trouve que c'était bien parce que c'est vrai que souvent sur les anciennes consoles ou même sur PC, hein, c'est... Regardez ça, ça réagit super bien. Des fois, vous passez à travers les objets, c'est un petit peu dommage. Là, ça réagit super bien. Regardez-moi ces petits effets de particules et tout, c'est juste magnifique. La première fois, je m'étais amusé avec lui ou elle. On va voir si ça remarche un peu. Ouais, ça remarche. Regardez, je l'ai tordu. On va le bousculer un peu. On va voir où il est allé. Franchement, c'est super bien fait. Donc, on va arrêter de s'amuser avec la pesanteur. Lol, ça va mon ami? Tranquille ou quoi? Tiens la pesanteur mon frère. Allez c'est parti. Votre attention, protocole de quarantaine lancé. Attendez la suite des ordres. On est en mode Dead Space on dirait là un peu. Donc ambiance très sombre. On doit diriger ce vaisseau vers le soleil et le faire échouer dessus ou tout simplement carboniser. Maquiller ça en accident. Wow, qu'est-ce qu'il a lui? L'ascenseur IHS, je cherche un autre itinéraire. Reçu, un 8. T'es rigole pas. Franchement, au niveau des effets et tout, ça rigole pas du tout. Alors, l'ascenseur est HS. Alors moi et ma mémoire de poisson rouge, j'ai déjà fait cette scène mais je me rappelle plus. Pourtant je l'ai fait il y a même pas une semaine. Petite scène un petit peu genre Glock. Quoi Glock? Un petit peu fait sombre, des bruits bizarres. Attention, contamination détectée. Lancez le verrouillage. Pas mal de petits trucs là chelou. Je vais descendre encore un petit peu, excusez-moi les oiseaux. Je vais descendre un petit peu, je vais me laisser à 50. On va voir ce que ça donne. Ok, l'ascenseur est là, ça y est, je commence un petit peu à m'en souvenir. Il va y avoir deux passerelles. Début de la transition progressive de pression dans l'égalisation terminée. Ça y est, je me souviens. On va faire celle du haut.
comme ça, ça va être fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord, je me suis bloqué. Franchement, l'ambiance du jeu est plutôt prenante. Premier abord. Ouf, je vais me taper. Après, je sais pas comment ça se passe. J'ai pas énormément joué non plus. Égalisation terminée. D'accord. Donc vous pouvez vous apercevoir qu'il n'y a pas non plus que des phases. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ils m'ont attaqué, non? Ouais. Il n'y a pas que des phases de. De gameplay. Il n'y a pas que des phases d'action, il y a aussi des phases un petit peu découvertes. Vous voyez que là on se balade un petit peu. Alors il y a pas mal de trucs. Il me dit d'aller là-bas. D'accord, c'est vrai. Mais là c'est bloqué, donc il va falloir trouver une autre issue. Donc je pense que j'étais dans la bonne direction. Évidemment, tous les trucs en anglais, moi je comprends rien du tout. Ça y est, je m'en souviens. Ça y est, ça y est. Ah, faut qu'on récupère le tube. Attention, contamination détectée. Pour le mettre, le tube, le condensateur de pétricite. Ok. Merde, je l'ai lâché. Quel dinde. Non, j'aimerais bien le mettre en fait, voilà. Le condensateur de pétrucite. Nom de fou, quoi le bordel. Donc, regardez un petit peu l'arme. Là, ça fait vraiment crisis. C'est juste un truc de malade. Alors, au niveau des flammes... Oh, t'as carbonisé, frère. Ah ouais, toi, t'as morflé, même tes cousins, là. Au niveau des armes, je vous ai dit, franchement, la petite arme est vraiment énorme. On va la tester, de toute façon. Et au niveau des flammes... ouais, c'est plutôt beau, franchement, c'est pas non plus mirobolant, c'est pas un truc de fou extraordinaire. Non, franchement, c'est quand même bien fait. Hein. C'est quand même bien fait. Alors, on va arrêter de s'adhériter sur les. On va arrêter de. Tous ces trucs de petits détails. Alors, si je me rappelle bien. Alors, pour info, quand j'avais regardé le Riquin le faire ça, je croyais que j'allais le tuer quoi. C'est au premier abord, ça se voit que c'est super simple, qu'il faut faire des trucs. Et le mec il trouvait pas quoi. Je vous dis franchement, il devait. J'ai rien contre les personnes de 12 ans, hein. Il y en a qui sont très très doués, qui arrivent à bien jouer sur des jeux. Mais lui c'était juste incroyable, on dirait qu'il faisait exprès le mec. En plus, ces vidéos duraient 10 minutes ou 15 minutes, vous le voyez pendant 3-4 vidéos, chercher et tout ça, vous avez envie juste de le tuer, le type. Ça m'apprendra à vouloir regarder des jeux pour me spoiler. Et pour info, c'est la première fois que je me spoil sur un jeu. Parce que en fait, l'attente était tellement. J'attendais tellement ces jeux quoi. Que j'ai pas eu la patience en fait. J'ai pas eu la patience, je vais pas vous mentir. Et je pense que vous aussi, pour toutes les pays, il y a pas mal de personnes qui ont dû regarder déjà le gameplay chez d'autres amis youtubeurs. Qui l'ont déjà fait, bien sûr. Je ne suis pas le seul youtubeur français, je pense que même le trois quarts des gens l'ont fait. Mais ça m'empêchera pas moi de la faire ma série. Tout personnel non autorisé repéré dans les labos scientifiques sera sanctionné. D'accord. D'accord, j'avais pas vu le viseur. Ah mais vas-y, je suis dessus toi. Ah d'accord, il faut mettre plusieurs coups là. Ok. Je croyais qu'un coup suffit. Non, non, il faut pas te mettre un coup à toi, il faut t'en mettre plusieurs. Et il faut viser aussi. Le mess est désormais fermé. Des emplois sont proposés dans le dispensaire mobile. D'accord. Ça se passe comment? S'il y a que dalle. S'il y a quoi? C'est chelou. Pirate moi sans moi. Je regarde s'il n'y a pas des gens, je te couvre. Tout ça, c'est un 8. J'ai réglé le cap sur le soleil. Je poursuis la mission. Reçu un 8. Trouve le réacteur et réactive-le. Je veux que tu détruises ce réseau. Bien sûr. Ok. Ils veulent qu'on détruise ce vaisseau. Ouais, il y a une petite glissade aussi, c'est vrai que je l'ai oublié, j'utilise tellement pas ce. Alors. Merde, je me suis perdu.
Je crois bien. Oups. Si mes souvenirs sont bons. What? Oh, le petit effet. Oh putain, j'avais pas capté ça la première fois que j'ai joué. Ah, c'est vrai que cette sensibilité me convient plus. Je croyais que c'était mon pote, pas du tout. Oh putain. Ah oui, à l'aise. Elle me convient 100 fois plus. Oh le bâtard. Et voilà, on commence à un petit peu à s'en sortir. Alors pour info, je reste pas appuyé à fond sur la touche pour le radar, parce que si vous restez appuyé à fond, le radar en fait, regardez ce que ça fait. Ça fait une sorte de bruit en fait et ça peut vous faire opérer, donc je ne conseille pas de rester appuyé à fond sur le radar. L'objectif est ici. Tout personnel non autorisé. Donc évidemment il faut que je redescende au deuxième endroit. Et nous je pense que on va s'arrêter ici pour ce deuxième épisode. Vu que je vous ai déjà dit que je pense pas faire des vidéos d'une heure. Surtout que les vidéos vont être assez lourdes. Vu que je fais des gros rendus en WMV, j'ai pas envie de faire 3 heures de rendu à chaque fois pour chaque vidéo. Je pense que pour d'autres séries on verra comment ça se passe, mais pour celle-ci j'ai vraiment envie de commencer un truc tranquille, pas me prendre la tête, faire des vidéos d'une heure, parce que je sais que pas mal de monde rage un petit peu de voir des vidéos d'une heure sur la chaîne, même si je sais que beaucoup adorent ça. Je vais essayer de compenser, on va dire, le manque de minutes de vidéo en essayant d'en sortir un peu plus. Donc 3 vidéos par jour, je pense que ça peut être raisonnable. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé ce second épisode sur l'intégrale de Killzone Shadowfall. Prenez soin de vous les oiseaux, c'était Parano et on se retrouve très prochainement sur la Nocturnal Birds. Allez, peace.